Douma, pour mon sentou dans le pays, venez jeudi à 1er janvier 2004, parce que je connais ces Boston à vivre, ou venez jeudi à toute radio t'a dit pas venir. Pour mon sentou. Mon cher, j'Afrique Haïti, si 1er janvier ça te prend l'autre bord de l'eau, eh bien 2 janvier son zombie m'da pied. Si me bat là 1er janvier. Liberté, le peuple noir puis liberté. Faut que m'en joue bien. Moi-même, je dis tout le monde qui te dit que je ne pas entrer, je dis même si nous du feu prend en Haïti, flamme du feu, hein, ou car juste en Bermude, je vais entrer quand même. Si l'avion pas de voyager, je prends une machine, je conduis mal Miami. De Miami, si je ne vais pas prendre l'avion, je rentre en Haïti, je bâti un canté pour m'entrer à Port-au-Prince. Ce qui fait que ça, je vais négocier la personne. Monde. 1er janvier, ça là. Mon cher, plus grosse satisfaction que moi joindre. M'a regardé moi ouais, gagné jambe doulan yon campagne de désinformation, mais peuple qui intelligent, li campé là, c'est célébration pal. C'est 200 ans pal, c'est liberté pal. Bien entendu, liberté, il faut qu'il soit clair pour tout le monde, c'est un processus que lié. Tout le temps, le peuple lui-même, il n'a pas de terre, il n'a pas de outils, vous comprenez? Il n'a pas de moyens de production dans le menu. Pour le grand monde tête. Pour le grand monde tête, il n'a pas. Je cède la parole à son Excellence le Président, Monsieur Thabo Mbeki. Le Président général, pour qu'il soit sur le continent ou dans la diaspora, regarde ce qui fait de la révolution ancienne comme une inspiration et un connaissance important. Et en tant que peuple de la CARICOM, nous rejoignons Haïti pour saluer la la communauté de la CARICOM est honorée d'avoir un membre possédant une histoire. Comment expliquer que dans fait ça, côté que Haïti c'est le premier pays qui coupe l'esclavage sur le continent d'Amérique là. États-Unis te fait révolution, il pas de couper l'esclavage. La France te fait révolution, il pas de couper l'esclavage. Comment expliquer que c'est un président noir sud-africain qui vient là, qui baille tout à colade ça, pas un grand président blanc qui là, soit président de la France ou bien président des États-Unis? Eh bien, on commence à parler, n'a pas parlé d'une journée jeudi, hein? Génie haïtien. Président Thabo Mbeki, qui sort en Afrique du Sud, qui vient et camper là avec nous, vous comprenez? Nous avons parlé de génie haïtien. C'est parce que président Thabo Mbeki reconnaît génie haïtien ça, lui vient font seul avec lui, lui vient font faisceau. Faut que nous disions bien, message président Thabo Mbeki est très clair. Il dit que c'est à partir de la révolution haïtienne qui fait eux-mêmes en Afrique du Sud, ils ont été cassés chaîne à partir. Ils ont pu célébrer 10 ans fait gouvernement minorité en Afrique du Sud. Dictature, vous dites. Dictature, ils ont reconnaître apport haïtien qui, avec la révolution haïtienne, a fait renouveau tout le monde noir. Eh bien, M. Vincent Pella avec nous. Ça qu'a fait là,
son bagaille moun noir blanc et noir baladan. Bon, moi même personnellement moi pi content parce que l'argent nous c'est nous mêmes c'est Jean président Tabombe qui dit c'est diaspora africain avec africain avec haïtien qui campé là qui a célébré blanc et baladan. Pas de problème. Et yo pas vini, c'est ça. Ça va passer là, Douma. Mon cher, je crois que vous connaissez des gens qui ont sorti des paramètres de sécurité qui fait que Mounio prend tout le terrain en Kounia là. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de sécurité? Non, pas de problème de sécurité. C'est entre haïtien avec haïtien. Vous comprenez pas qu'il y a un problème de sécurité? Pour là, est-ce que c'est ballon qui a éclaté ou bien c'est balle? Ballon qui a éclaté parce que nous-mêmes nous là. Nous qui sommes là, vous comprenez, nous poser. Bon dernier la bagarre pour faire une couille. Parce que nous craser chaîne d'esclavage là. Nous disons ça que c'est élection chef d'État à prôner, c'est l'élection sous besoin de pouvoir pour aller. Tu en sécurité là, est-ce qu'on a des armes sous? Nous pas besoin d'armes non. Youn a suivi l'autre. C'est ça que les têtes ensemble non. Pas de courir, pas de bruit, peuple là. Et le même esprit qui s'y prenant, va continuer à assister. Est-ce que ça veut dire jusqu'à présent, il y a beaucoup assez civilisé pour comprendre ça qu'a fait là? Mon cher, regardez, ouais, après 18 novembre 1803, fin fête ça, vous faites, vous boudez, vous mauvais, vous fâché, et puis vous essayez de mettre nous en isolement. Oui. C'est isolement ça qui a continué. Cependant, les papes marchent. Vous comprenez ça, les papes marchent, parce que journée jeudi, le peuple reconnaît ça, le renomène avec deux menis, qui a façonné la vie. Meilleur pour tête lui. Elle pas besoin blanc pour le faire ça. Lui qui a fait lui-même, lui qui a fait avec propre ressources pâle, lui qui a fait avec détermination pâle, lui qui a fait avec conscientisation pâle pour réaliser n'importe ça le voulait. Je ne veux dire c'est ça le voulait. Si peuple haïtien dit la bâti mon et merveille, pas gagné qu'à faire devant. Excellence Monsieur Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud, et Madame la Première Dame de l'Afrique du Sud, nos cœurs vibrent au rythme de la liberté. Que l'écho de ces vibrations retentisse en applaudissements patriotiques. Bon chant et bravo pour les ancêtres New York. À Jean-Jacques Dessalines Le Grand, à Toussaint Louverture, le génie de la race, à Pétion Christophe, aux vaillants soldats et à tous les héros de l'indépendance, rendons un vibrant allez, hommage. Et nous-mêmes nous disons, les nous gardons chefs d'État, nous féliciter, puisque nous sommes face à la minorité, ils choisissent pour ne pas entrer dans la violence. Puisque chef d'État, 90, il était choisi pour le marché à revendication peuple là. Peuple là, c'est Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide représentait revendication masse populaire là. 184 là, nous gardons nous élite minorité à son paquet apatride, un paquet mercenaire, un paquet colons qui sorti pour remettre nous dans l'autre nouveau contrat social puis réduire nous en esclavage encore. Nous disons non, ça va faire, ça va continuer. Bonne année, ça fait combien de fois? Combien de droits tu gagnes dans mes nous? Combien de droits tu gagnes dans mes gauches là? Combien de fois me dis une bonne année? Pour combien d'années? 5 ans. Elise Cagnon Nuevo. Qui
alegría estar con ustedes, hermanos y hermanas. Longtemps, avant 1804, Batok sot en Afrique te pote esclave. Jodia, Batok Afrique du Sud pote puissance liberté pour Djaï na 200 ans de liberté. A vous donc, mon frère, président Mbeki et madame, à la ministre Zuma, à tous les membres de la délégation de l'Afrique du Sud, à toutes nos sœurs et frères de l'Afrique, Sani Bonani, bonjour en langue Zulu, Sani Bonani, Sani Bonani, Colloquy Africa, paix à l'Afrique. Ici, en 1804, de la nuit de l'esclavage, surgit un soleil de liberté, un soleil en plein minuit. Qui le dit? Qui le crut? Un soleil en plein minuit, le soleil de la liberté. Qui donc? Bâton a changé bout. Panama nous yon pas nan marron encore. Moun qui pavle nan marron encore, levez deux mains en l'air pour le monde entier. Que c'est beau, que c'est grand. Applaudissons le peuple haïtien. Applaudissons les haïtiens du 10e département. Applaudissons les haïtiens de la diaspora qui sont ici avec nous. Applaudissons tout paysan nous yo, tout sien nous yo qui n'a mon yo, tout malheuré yo, tout pauvre yo, tout riche yo, intellectuel, analphabète, politicien, opposition, société civile, secteur privé, tout peuple haïtien sans distinction. Bravo pour yo, chapeau pour yo, bras sous bête, accolade fraternelle. Que c'est beau, que c'est grand d'être unis, que c'est beau. Que c'est grand de s'aimer, que c'est beau, que c'est grand de cultiver la liberté, la tolérance, la paix, l'amour. Depuis Côte Lombrique, indépendance l'a coupé, na Gonaïve, jour 1er janvier 1804 là, Haïti, c'est maman liberté. Je dis, hein, 1er janvier 2004, nous venons couronner maman nous avec laurier reconnaissance. Parce que nègre et nègres d'Haïti, c'est petite entrailles dignité. Honneur et respect pour Haïti, maman liberté. Au chant et bravo pour ces 7 millions.